les œufs. A, B, C, D, E. Mais où sont les œufs? F, G, H, I, J. Non, pas dans mon lit. K, L, M, N, O. Pas dans le piano. P, Q, R, S, T. Pas dans le grenier. U, V, W. Et pour les trouver, X, Y, Z, il faut qu'on nous aide. L'arbre, perdu au milieu de la ville. L'arbre, tout seul, à quoi sert-il? Les parkings, c'est pour stationner. Les camions, pour embouter. Les motos, pour pétarader. Les vélos, pour se faufiler. L'arbre, tout seul, à quoi sert-il? Les télés, c'est pour regarder. Les transistors, pour écouter. Les murs, pour la publicité. Les magasins pour acheter. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Les maisons, c'est pour habiter. Les bétons, pour embétonner. Les néons, pour illuminer. Les feux rouges, pour traverser. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Les ascenseurs, c'est pour grimper. Les présidents, pour présider. Les montres, pour se dépêcher. Le mercredi, pour s'amuser. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Il suffit de le demander à l'oiseau qui chante à la cime. Jacques Charpentreau. Je suis un arbre des milliers de diamants dans les sangs. Les gens ont dit c'est la gelée, mais moi je sais bien que c'est la vie qui fait craquer tous ces colliers. Allez, Marie Chantal. Chanson pour les enfants d'hiver. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière. Le voilà rassuré dans une petite maison. Il entre sans frapper et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau.